appelle que le t'aime. Et que j'ai mal en cœur. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Que j'ai la musique que j'aime. Elle vient de là et elle vient de Blues. Tu sais que les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Et bien bonjour à tous les amis, c'est Thibaut End et aujourd'hui on se retrouve et bien pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler eh bien, du Johnny Hallyday, photographie de Tony Frank, donc, qui est un livre qui est sorti en 2010, voilà, qui est l'auteur donc Tony Frank. Et donc c'est parti, on va enchaîner pour cette critique. Donc voilà, en fait, c'est un livre du coup de Tony Frank, donc photographie, enfin c'est le photographe en tout cas de Johnny, qui a pu le parcourir, en tout cas il a vraiment fait pas mal de choses pour Johnny durant sa carrière, en tout cas pour tout ce qui va être les photos. Et franchement, c'est top, c'est un travail d'une précision, je trouve, assez flagrante, du moins dans ce livre. Et c'est un livre spécialement que photo, on a très peu de texte à l'intérieur. Hein, c'est pas comme le nouveau livre de Tony Frank qui est sorti il y a si peu. Donc voilà. Donc moi je suis par contre très heureux en tout cas de posséder, on va dire, ce livre, parce que ça faisait pas mal de temps que je voulais ce livre. Et je suis très content en tout cas de pouvoir le posséder enfin. Petite anecdote face à ça, j'avais commandé sur Amazon. Donc il n'y avait plus beaucoup d'exemplaires, en tout cas quand j'avais voulu faire ma commande. Et très surpris, parce que d'ailleurs c'est un livre qui a plutôt bien marché, on va dire, ni pour Tony Frank, en tout cas pour sa production, voilà. Et donc là, comme vous pouvez le constater, on a une superbe photo, hein, datant des années, début des années 80, donc 83-84 je dirais, voilà. Et franchement, donc c'est un livre par contre qui est fragile. Je vais pas vous mentir, et là c'est vraiment la version du coup de 2010 pour ceux qui douteraient, hein. C'est vraiment le livre original. Donc là on a un petit message de Johnny, donc qui est vraiment très sympa. Tony Frank, un grand photographe, un regard complice, un ami, Johnny Hallyday. Et je l'ai eu pour 25 €, comme vous pouvez le constater, un petit prix en bas, voilà. Donc, comme je vais revenir donc, par rapport au fait qu'il est fragile, c'est vrai qu'il est fragile, il faut le manier avec délicatesse, hein, si je peux dire, parce que c'est voilà, c'est un livre qui est vraiment fragile. Parce que là, on a une pochette, mais en fait, si vous voulez, c'est un papier en fait, qui est recouvert par au-dessus. Et si vous voulez, donc ça fait ce genre de choses. Donc avant toute chose, je vais vous montrer, en tout cas, le petit message de Tony Frank qui m'a beaucoup touché. Bon, je vais pas vous le lire, hein, parce que voilà, bon, vous pouvez mettre sur pause, hein, je vais essayer de faire voilà un petit zoom sur le côté, comme ça vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Et donc ça se présente comme ceci. Donc en fait voilà, on a un papier qui recouvre, on va dire, l'intégralité du livre, voilà. Donc là c'est vraiment image nue, on n'a pas voilà, on n'a pas d'image, c'est vraiment c'est voilà, il n'y a pas d'image. Voilà. Et donc là, durant, on va dire, ce livre, donc là, on peut vraiment parcourir des photos juste époustouflantes. On a des photos datant de 1965, donc les premières images datent de 65, en tout cas, pour le livre. Voilà. Franchement, c'est juste incroyable. C'est voilà. Là, par exemple, on a des petites anecdotes parlant de 1960. Donc là, on va avoir quelques petites photos des années 60. Hein, début. Voilà. Bon, je vais un petit peu passer. Il y a de très belles images, en tout cas, voilà, la période 67, qui est l'une de mes périodes préférées de Johnny aussi. Voilà, on a vraiment de superbes belles photos que moi, je connais, bien entendu, déjà, que les fans connaissent déjà, les collectionneurs également. Voilà. Alors par contre, pour ceux qui se douteraient, voilà, il n'y a pas du tout de photos concernant les concerts, parce que Tony Frank a fait aussi des photos
pour, enfin en tout cas quand Johnny était sur scène, et elles sont pas dans ce livre. Donc voilà, peut-être qu'il y est sur le nouveau livre qui est sorti de Tony Frank, je ne sais pas du tout, je n'ai pas vraiment fait attention. C'est pas voilà, c'est pas un livre enfin voilà, qui me bon, j'ai déjà un premier livre de Tony Frank, ça me va très très bien. Regardez ces magnifiques photos. Alors par contre, moi j'ai été surpris de la taille du livre, je pensais qu'il serait beaucoup plus épais, un peu plus que le Bone Rocker Tour, parce que le Bone Rocker Tour, bon, il est un peu plus petit au niveau format, hein, format paysage, là c'est format portrait, mais il est un peu plus épais, donc il y a plus d'images photos sur la tournée du Bone Rocker Tour de Renaud Corlwer, qui s'intitule On the Road. Voilà. Donc vraiment, voilà, on a vraiment que des belles photos. Alors si on a quelques prises niveau scène, concert, mais ce que je veux dire par là, on n'a pas des photos datant de 90, les années 80, pour Johnny en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, on a quelques images qui reprennent du livre-disque Johnny 67, l'album. Franchement, c'est juste incroyable. C'est magnifique. Le livre est vraiment très très beau. Johnny en 1969 aussi, que j'aime beaucoup la période là. C'est avec de gros titres. Hein. Je suis né dans la rue, Rivière où ton lit, et plein d'autres. Voyage au pays des vivants, surtout. Voilà. Que je t'aime par la suite. Bon. Des belles photos, là par exemple celle-ci, quand Johnny avait fait sa répétition en Afrique, eh ben, il s'était cassé une jambe, donc après il a dû sur scène, tout ce qui a été, je crois, il me semble, le palais des sports, etc., ben, il a dû porter une prothèse, et puis il l'a changé régulièrement, donc ouais, franchement c'est juste incroyable, les costumes sont juste époustouflantes aussi, magnifiques. Je ne vais pas vous montrer tout en détail, je vais passer quelques images. Mais d'ailleurs, je suis le premier, je vais vous annoncer aussi une petite chose concernant cette vidéo que vous regardez, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps et puis pour ceux qui viennent seulement d'arriver sur cette chaîne. À l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas, je suis le premier à vous présenter en tout cas ce livre. Parce que je n'ai pas. J'ai fait mes recherches, j'ai voulu savoir, avant d'acheter ce livre, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et donc du coup, eh ben, je n'ai pas eu cette occasion de voir ce qu'il contenait. Et là, vous pouvez voir en image justement certaines photos de la vie de Johnny. Hein. Voilà. 1975, on parle de cette année-là. Alors ça, c'est pareil. Là, on a de super belles photos. En noir et blanc, c'est juste incroyable. Je vous montrais celle-là, je voyais un petit peu le reflet de la lumière. Alors, c'est juste incroyable, c'est magnifique, magnifique. Voilà. Ah, c'est beau, c'est vraiment très beau, très bien illustré. C'est juste incroyable. Voilà, par exemple, on en a là. Par exemple, on avait, par exemple ici. Voilà. Et la dernière, c'est une photo que j'apprécie énormément, que j'aime énormément aussi. C'est la fameuse photo du road trip en 1990. Donc Johnny qui avait parcouru les États-Unis. Et franchement, bah, c'est juste incroyable. Hein, j'aime beaucoup cette photo. Voilà. Donc ça, elle se termine par cette photo, en tout cas. Et puis là, on a quelques anecdotes à nouveau sur les années de Johnny. Voilà. Et puis là, je crois que c'est tout. Et puis là, oui, on a la petite biographie de Tony Frank juste à côté. Donc je vais vous faire un petit point là-dessus. N'hésitez pas à mettre stop la vidéo pour le lire. Voilà. Et donc franchement, voilà, bah, les amis, moi je peux que vous dire de recommander, en tout cas je vous recommande de le posséder. Pour ceux qui sont fans de Johnny et puis qui veulent aussi peut-être éventuellement entamer une collection sur Johnny comme moi, eh bien n'hésitez pas à foncer parce que ça vaut vraiment le coup.
Il est encore disponible sur Amazon, mais il y a un délai assez long pour l'avoir entre les mains. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir 2-3 jours après la livraison, enfin après la commande, je vais dire. Et donc voilà. Donc les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager également, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification aussi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et vinyles et CD de Johnny. Allez, tchuss. Voilà les amis, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche pour regarder une autre vidéo.